Précédemment, dans la carrière manager de Amazing Gareth. Après un match arraché au nul de la part de Genoa, notre équipe se retrouve face à Frosinone Calcio, qui se conclut par un match nul. Une grande crise au niveau des buteurs et Agüero n'arrive toujours pas à trouver le chemin des filets. Suite à ça, un match qui se termine par un 1-0 de la part de notre équipe de la Juventus face au Napoli, qui cette fois-ci a été plus vif que la dernière rencontre. Prochainement, nous allons affronter le club de Bruges dans un match endiablé en Ligue des Champions. Au niveau du classement, nous sommes actuellement premiers en Champions League et quatrième en Serie A. Voici la formation que le coach Amazing Gareth a décidé d'adapter pour ce match. Espérons qu'elle nous porte chance. Yo les gars, c'est le dieu de la guerre qui vous parlait. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Comme vous aurez pu voir, j'étais un jour de la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de la carrière manager avec la Juventus. J'espère que cette petite intro vous aura plu. Sur ce, on part directement pour le match. Let's go. C'est compliqué en ce début de match. Allez, let's go. Petit crochet de Dybala. Emmène-le, putain. Merde. On a un coup franc. C'est pas mal. Hop. Tu l'as emmené, putain, dommage. C'était compliqué, ça, c'était compliqué. De ouf. Faut qu'on passe un peu plus à l'offensif parce que là. Ouais. Ouais, c'était quoi ça? Tu fais une bonne passe pourtant. Allez, pourquoi? Vas-y mon gars. Il te rattrapera pas normalement. Normalement il te rattrapera pas. Non, il y a faute là. Oui, il y a faute. C'est peut-être une des actions du match. Pogba qui place son ballon. Pogba à peu près à 25 mètres. Oh mon dieu! Non, mais en fait Pogba, je sais pas, il a quoi comme stade? Je vois tout le temps des gens mettre Vla. Il a pas d'effet en fait. Tout le temps les gens mettent Vla les effets avec. Je pensais il y aura des effets. Maintenant je vais essayer de plus trop tirer les coups francs avec Pogba parce que c'est pas ça. Je me dis je vais tirer en force. C'est pas ça du tout hein. À la mi-temps. C'est serré, il n'y a pas d'action, on n'arrive pas. En fait, on est là, chacun essaie d'attaquer, je défends plutôt bien, ils n'ont pas une attaque de feu non plus. Dybala et Agüero, à la mi-temps, ne sont pas du tout fatigués, parce qu'il faut dire qu'ils n'ont pas fait énormément de trucs non plus. Il faut essayer de plus tirer de loin, parce qu'il faut vraiment pousser pour essayer d'avoir des résultats, et je vous retrouve tout de suite. Non, mais pourquoi on se prend toujours des buts comme ça? Oh, putain. En plus, le pire, c'est que tu vois le but venir, quoi. Ils sont là, ils font des passes, tout le monde va dessus. Il n'y a personne qui arrive à trouver la solution. Ils font des passes trop vifs. Et le mec finit, Buffon n'y arrive pas. Putain, c'est décevant tout ça. Mais non. Heureusement que Buffon est là, parce que là, ça commence à faire cher. Ils sont dans notre surface. Ils font que pousser. Allez, Pogba. C'est Pogba quand même. Hop, arrête-toi. Mais pourquoi? Non. Allez, Agüero. Allez, mon gars, putain. Allez, c'est ça, Pogba. C'est ça. Faut jouer un peu avec les intervalles, là. Allez, Iniesta. Allez, Dybala. Non, Dybala, putain. Merde. Allez, peut-être une dernière. Pas de dernière action, j'ai le seum. Eh, mais depuis un moment, les cas, ça devient que ça. Champion, ça m'énerve parce qu'il faut vraiment voir le chemin du truc. Quoi. On n'a pas tenté beaucoup d'actions, on n'a pas eu énormément de trucs. C'est surtout fait beaucoup dominer. En fait, j'ai pas le truc en champion, vraiment. Genre, j'arrive pas à faire mon match, à mettre les buts quand il faut les mecs. Pogba, il a eu
trop le ballon. Dybala est invisible. Agüero qui trouve toujours pas le chemin. Eh, j'arrive pas. 35% de possession. Les mecs, ils ont tout le temps la balle. Ils ont fait 7 tirs. On en a fait que 2. C'est compliqué. Il faut vraiment que je trouve les bons ajustements. Si vous avez des conseils à me donner, je suis extrêmement preneur. Bon, c'était le jeu de la guerre. Lâche ton like si t'as kiffé. Comment, partage, comme d'hab. Et je vous dis... Peace.